Teledyne Oldham Syntronics est spécialisé dans la conception et la fabrication de détecteurs fixes de gaz et de flammes. Sa mission est de fournir des solutions innovantes, fiables, contre les dangers gaz, que ce soit les gaz inflammables, toxiques ou même les risques d'incendie. Les débuts de la détection de gaz sont intimement liés à l'histoire de la région, puisqu'au départ, c'est la détection du grisou dans les mines de charbon. La diversification de la détection de gaz au niveau de la détection des gaz de ville ou même des gaz toxiques apparaît beaucoup plus tard, dans les années 1980. Depuis, de nombreux produits ont été lancés. Je pense notamment à la MX-43, au DG-7, au capteur OLCT-100, qui ont fait la renommée de la marque. La réunification des sociétés Oldham et Syntronics en 2012, ainsi que la fusion des sociétés en 2019, reste pour moi un fait marquant, puisque ça permet à l'entreprise de s'étendre à l'international et de s'ouvrir sur de nouveaux marchés. Un peu comme tout le monde, je cherchais du travail tout simplement, et Teledyne Oldham Syntronics, c'était une bonne boîte qui a embauché. Ce dont je suis le plus fier, c'est mon évolution au sein de la société. Alors je suis rentré le 2 décembre 1997, j'ai commencé en production et aujourd'hui arrivé chargé d'affaires au service projet par l'évolution en interne. Ça va faire 27 ans, au mois d'octobre. J'aime beaucoup la polyvalence qu'il y a dans ce métier. Si par exemple on est un peu fatigué pour dire qu'on ne fait que du montage toute la journée, on peut aller faire de l'emballage ou aller tester des capteurs. C'est quand même une culture familiale, on connaît depuis des années, donc on travaille ensemble. On a des jeunes qui arrivent, on les forme un peu aussi dans cet esprit. En 2011, quand on m'a créé le poste suite à mes problèmes de santé, la société m'a créé un poste pour moi après 20 ans de terrain et m'a dit « on va te conserver Laurent, ne t'inquiète pas, on ne te mettra pas dehors ». Moi j'en suis très fier et c'est pour ça que je veux toujours donner le maximum de ma personne pour la société. Les valeurs qui me tiennent le plus à cœur au sein de la société, donc c'est le respect, l'honnêteté et l'éthique. Pour moi, une des forces majeures de l'entreprise est la capacité d'adaptation, notamment des équipes. On a fait face dans les dernières années à de nombreux changements qu'on a su s'approprier pour finalement en faire une force. Ce qui me plaît dans mon travail, ce serait en fait d'être au service de mes clients. Des fois, je me dis, je ne travaille pas pour mon chef, je travaille pour mes clients. J'essaie de faire au mieux ce qui est le plus correct pour eux. Et c'est dans cette optique que je travaille. J'ai l'intention de finir ma carrière ici. C'est pas encore le moment, mais voilà, je me sens très bien ici. Mes meilleurs souvenirs, ça reste de travailler avec les équipes au quotidien et je ne m'en lasse pas. Ça qui me rend fier aussi, c'est que je travaille dans une société qui fabrique ses produits en France, qui sont de qualité et qui plaisent aux clients. Et aussi les personnes qui composent l'entreprise, parce que ce sont des experts et on a un très bon esprit d'équipe. Alors le fait d'avoir rencontré ma femme par le biais du service center où elle travaille, et on a eu l'occasion de communiquer assez régulièrement et ça s'est terminé par un mariage, un déménagement et une prise de poste au siège. Je souhaite un joyeux anniversaire à Teledyne Oldham Syntronics pour ses 75 ans. Ce que je peux souhaiter pour l'entreprise pour les 75 ans, ce serait faire 75 ans de plus. J'aurais envie de dire bon anniversaire et surtout que ça dure encore au moins aussi longtemps, voire encore plus. Mais surtout qu'on garde l'aspect familial de la société, l'aspect humain, ce qu'on est en train de grandir, et je pense qu'il est vraiment important de garder ça en tête. Bon anniversaire. C'est passé trop vite. Je lui souhaite de longues et heureuses années supplémentaires et qu'on aille au-delà des 75 autres années à venir. Bon anniversaire, tout simplement. J'étais là aux 50 ans du coup, c'était tout juste quand je venais d'arriver. Et bah, fêter 75 ans d'Oldham, c'est incroyable quoi. Et c'est passé trop vite et merci surtout. Merci de m'avoir fait confiance et de l'épanouissement qui m'a permis d'être ce que je suis actuellement. Teledyne Oldham Syntronics, c'est 75 ans de passion, d'engagement et d'innovation. Merci à vous et à tous ceux qui ont contribué à cette histoire remarquable qui ne fait que commencer.